Nous allons lire dans le livre de Psaume 52 pour la gloire du roi Jésus-Christ et nous allons lire aussi dans le livre du prophète Amos. Je voulais dire Jonas parce que nous venons de parler du prophète Jonas, chapitre 1 à 2 en anglais pour ceux qui nous ont aussi demandé de parler des fois en anglais. Voilà. Et maintenant, nous retournons et maintenant, nous commençons notre service comme nous vous avons promis à 9h30. Parce que, et là, c'était à 8h30. Bon, 9h30, selon le temps de Sadek, 8h30, c'est temps universel. Donc, cela veut dire Afrique centrale et d'autres pays. Voilà. Et en Europe, vous qui êtes là-bas, que Dieu vous bénisse partout dans le monde. Voilà, nous y sommes là au temps prévu par la miséricorde de Dieu qu'il a renouvelé pour nous ce matin. Nous avons eu ce grand privilège de venir parler de la vie. C'est pourquoi je loue le Seigneur pour votre précieux temps que vous puissiez consacrer ce jour ici. Parce que c'est un grand jour que dans le monde entier, nous commémorons ça, soit nous célébrons ça. C'est quoi le jour, la fête du travail? Voilà. C'est le psaume 4. Psaume 5 et 4, c'est un commandement du Seigneur. L'homme sortira de sa maison le grand matin pour se rendre au travail. C'est un commandement du Seigneur depuis que nous avons chuté dans les jardins d'Éden. Quand je parle de nous, beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi nous parlons de nous? Parce que selon la loi de la représentation, tous nous étions à Adam. Si vous comprenez? Nous étions à Adam parce qu'il est le premier Père que Dieu a créé. Et chaque semence d'Adam vient, soit, donc cela veut dire sort par les champs des semences qui est qui? La femme, Ève, l'Église, aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi? Quand on s'attaque souvent aux Églises, les gens pensent que non, nous sommes tenus sur une doctrine quelconque, comme les gens disent souvent, moi je suis de cette église telle, moi je suis de l'église telle, c'est là la fausseté. Il n'y a aucune église, il n'y a aucune dénomination sous ce soleil qui peut sauver un égaré. Si ce n'est que la parole vivante de Dieu qui est Christ bien interprétée. C'est pourquoi nous vous avons dit, quand on vient ici, c'est pour vous ramener dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas vous amener dans une dénomination. Dénomination, pourquoi? Parce que c'est un homme. Tout ce qu'un homme a surnommé, a donné comme un nom, un renommé, ne peut pas sauver si la parole pure ne sort pas de cet endroit-là. Vous comprenez? Si la parole pure ne sort pas, si celui qui se tient derrière la chair a fait le compromis avec la parole, sache-le que vous n'aurez pas ce baptême tant entendu du Saint-Esprit qui est Christ en vous. Jean 14, de paix de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Pour comment? Vous, nous allons lui voir si nous gardons ses commandements. C'est pourquoi nous venons ici avec des figures que nous avons faites avec nos petits moyens pour vous montrer la marche de ce monde ici. Comment est-ce que le diable a eu la position qu'il voulait dès le commencement, laquelle est cette position d'être adoré. Et il est adoré. Il est venu par la bête, les serpents. Il a séduit la mère Ève. Par quel moyen? C'est ce que nous disons ici, compromettre. Cela veut dire la compromis à la parole de Dieu. Il a amené la maman Ève, l'Église, notre mère, par la loi de la représentation dont tous nous sommes sortis, vous comprenez? Comme dans les spirituels, l'Église, les Églises, tous. Vous comprenez? Il a commencé là-bas et dans ce temps, il termine là-bas dans l'Église de Laodicée. Cet âge est mauvais. Est-ce que vous comprenez? Quand les gens disent que tous, dans leur doctrine, que non, tout c'était en Asie, ces églises-là, non. Dieu parle d'une manière mystérieuse. Si vous voulez comprendre ça avec votre entendement charnel, entendement humain, vous ne saurez pas. Vous serez égaré. Vous resterez là comme un incrédule et vous l'êtes.
Et ce qui viendra, c'est la marque de la bête parce qu'il a commencé dans l'église et il va terminer, il termine dans l'église. Lisez, quand on parle dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, de cette grande prostitution, elle est assise où? Dans une grande église, dans l'église universelle. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà, cette grande bête qui apparaît, qui disparaît et réapparaît, vous comprenez? Comprenez? On nomme un grand chef pape, il meurt parce que c'est un humain, un autre réapparaît. C'est la bête qu'on parle, c'est le dragon qui se tient là-bas, il change de peau. Et aujourd'hui, on a levé quoi? La bête, le serpent qui a séduit au commencement. C'est pourquoi on parle de la marque de la bête aujourd'hui. Et on élève ça, on fait ça des signes partout. Et nos chefs sont derrière ça. Lisons les Écritures, nous allons entrer là-bas. Pour que vous qui adorez, ceux qui aillent là-bas, pour s'influencer. Et ils prennent cette Bible pour nous séduire, nous égarer. Prenez possession maintenant. Quand toutes vos facultés sont en place, quand tous vos organes fonctionnent encore, c'est le moment, c'est le temps que nous puissions prendre position à la parole. Comme nous venons de parler en anglais là, du prophète Jonas, il devait faire la volonté du roi comme il l'a envoyé à Ninive. Lui, il a pris le chemin de Tarsis, d'une autre ville, d'une autre ville que le Seigneur son Dieu ne lui a pas envoyé. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Vous savez l'histoire. Lui, il dormait, mais les gens étaient dans les tourments et ils invoquaient plusieurs dieux. Il n'y avait aucun effet. C'est ce qui va arriver dans peu de temps ici. Jusqu'à tel point que non, le maître de ce bateau, il est allé vers Jonas et dit, comment toi tu dors ici? Il y a des vagues, donc la mer ne veut pas se calmer. Prie ton Dieu. Parce qu'il se disait, chacun prie son Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des gens des nations qui adorent plusieurs dieux que nous sommes. Et quand ils ont réveillé Jonas, le prophète, il a... Toi, tu viens d'où? Je suis hébreu. Quelqu'un qui vient d'Israël. Voilà ce qui se passe. Oui, je suis le serviteur de l'Éternel, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a créé ciel et la terre. Lisez le chapitre 1 là. Voilà, ce qui se passe ici, parce que je ne lui ai pas obéi, il m'a envoyé à Ninive, moi je prends les chemins de Tarsis. Il est allé vers les païens, les gens qui n'ont pas encore. Donc, quand la volonté de Dieu se manifeste, quand la grâce n'est pas encore venue vers nous, il ne pouvait pas aller là-bas. Il devait rester dans la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il devait rester dans la volonté parfaite de Dieu. Mais, vous connaissez l'histoire, nous ne pouvons pas entrer là-bas. C'est pourquoi nous venons ici pour vous parler de ces sujets dont nous avons voulu prendre. Ce n'est pas qu'on change de sujet, on est toujours là. Si c'est qu'on est en train de parler, d'autres gens nous comprennent mal. Pourquoi nous parlons de l'invisibilité? L'invisibilité nous amène parce que l'invisibilité sauve des vies. C'est pourquoi le saint prophète nous a prêché l'union invisible. Quand on s'attaque à ces choses ici, pourquoi ces choses-là nous amènent loin de cette union invisible? Vous comprenez? C'est pourquoi nous vous amenons dans l'invisibilité, pour que vous puissiez retrouver là, dans le corps mystique de Jésus-Christ, là où nous sommes censés d'être des membres. Être membres dans des églises que vous voyez, dans des assemblées que vous voyez, dans des tabernacles, dans des amphithéâtres, dans toutes ces choses et d'autres, dans des têtes, il y a la tête de la bête. Vous n'aurez pas la vie. Vous pouvez voir des miracles. Sachez-le que des miracles peuvent provenir d'un cœur inconverti. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous aurez peine à terre ou mitou na te? Miracle que vous voyez pas en ganga, ganga est bien zambété. Miracle que kende na endo mona miracle basala kende. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Allez-y en Inde, vous allez voir des miracles dans la rue. Et ça provient de la Bible, ça provient de cœurs convertis. Posons-nous des questions. Tu abandonnes ton âme toi-même, comme un esclave.
aux gens qui viennent là où nous allons expliquer ici. Parce que d'autres choses, on devait quand même prendre du temps comme on est à la maison, tout le monde sont à la maison, peut-être d'autres sont allés au travail, mais c'est très très important pour vous, les réseaux sociaux que nous entrons ici sans vous demander un sou, parce que vous êtes trop consacrés sur les choses qui viennent des dragons. TikTok vient des dragons. La Chine croit aux dragons, servent les dragons, met des signes. Si vous n'avez pas encore voyagé, voyagez en Chine, vous allez voir les signes des dragons en Chine, Vietnam. Ils ont fait des ponts, on appelle ces ponts-là ponts dragons. Et ils ont mis 666 dans ces ponts. Vous comprenez? Et ce sont des distractions qui viennent d'en bas pour détruire votre cerveau. Alors nous avons une source d'énergie qui vous met en contact, qui vous amène à être un membre à part entière, un membre spirituel dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous parlons de l'invisibilité. Ces choses-là nous empêchent. Tout ce qui est des réseaux sociaux, des Instagram et tout, Facebook. On ne vient pas. Vous pouvez regarder vos nouvelles. Vous pouvez prendre votre petit temps pour essayer un peu d'entrer, la regarder vos TikTok. Mais vous devez quand même limiter ça avant de dormir. Quand vous vous réveillez, mettez ça de côté. Quand vous vous sentez que vous êtes libre, prenez ceci, écoutez ce que nous vous envoyons. On ne vous demande rien, mais vous voulez toujours aller là où on vous donne. Pesa makasa nkembo. Même il s'est repenti. Il a stoppé de demander de makasa nkembo. Posons-nous des questions. Voilà. Parce que le vrai pardon, ça peut venir de la source. La source, c'est quoi? Si vous n'avez pas commencé avec la compromis, vous allez aboutir bien. Mais si vous, votre débit, c'est la compromis, vous n'allez absolument rien faire. Cette introduction est très importante. On allait commencer à lire les Écritures, mais le Seigneur fait des choses à sa manière. Nous ne prenons pas ici pour parler de nous-mêmes. Si le Seigneur s'attaque à nous parce que nous avons pris position à ce qui est fait des mains d'hommes, à ce qui vient des têtes des organisations prétend être des corps de Christ, Église, corps de Christ, qui ne le sont pas. Si vous allez là-bas, il y a la confusion totale. Ils ne s'attendent pas. Ils sont derrière des intérêts et des motifs égoïstes, tous presque, tous, je dis bien. Quand un serviteur de Dieu gère déjà de l'argent, il ne donne pas ça aux administrateurs. Cela veut dire il est au contrôle du malin. Parce que le papier oyo à dollar, que l'autre va appeler le papier en kembo, celui qui l'a fabriqué, c'est le malin. Ça a commencé aux États-Unis d'Amérique. On peut même citer les noms des gens qui l'ont commencé. À créer des bas-papiers. Le modèle de Dieu, c'était les échanges, comme on vous a dit en portugais, troco. On s'échangeait. Tu me donnes du diamant, je te donne du coltan, je te donne du sel, je te donne. C'est comme ça que le monde allait. On se sert des choses naturelles créées par Dieu. L'argent, on l'a créé pour dominer. Et c'est qu'il. Ils ont fabriqué cet argent, ce sont des éliminations. Nous allons parler de ça maintenant. Lisons les Écritures. Vous comprenez? Quand le spirituel, qui est le, ça veut dire ce corps qui est composé des pasteurs, des diacres, des évangélistes et des docteurs, parlons dans l'Église parce qu'un docteur c'est un enseignant, mais pasteur, apôtre, diacre, berger, vous qui sont là-bas, vous avez maintenant les yeux sur l'argent et touchant ces papiers dans vos mains, au lieu de donner que les administrateurs gèrent ça. Dans l'église de Jésus que nous prêchons, que vous prétendez aimer, qu'on a pris son nom comme un outil dans des églises, c'est lui qui était l'administrateur de l'argent, c'était Judas. Jésus n'a pas touché le sou. Frère Banam a gardé l'argent pendant 17 ans avant de bien ordonner l'église. Et quand il a ordonné l'église, il a donné les rapports exacts et corrects aux administrateurs. Il a dit, c'est à vous. S'il avait fait un voyage en Afrique du Sud, il a dit, non, j'étais en Afrique du Sud. Il a dit, non, j'étais en Afrique du Sud.
J'étais dans l'hôtel Sheraton, j'avais payé 5 jours autant. L'argent qui était resté, c'est ça, comme le président Kasavubu. Nogonanga. Est-ce que vous comprenez? Voilà un peu, lisons les Écritures pour mieux avancer. Nous lisons dans Psaume 52, nous ne serons pas longs, je pense que 30 minutes nous suffit. On a déjà consommé 13. Que Dieu vous bénisse, c'est l'introduction parce que ça doit toujours nous amener quelque part pour que nous puissions nous repentir. Sans pour autant confesser et repentir, nous ne lui serons jamais agréables. Parce que c'est par ces moyens-là que la foi naît. Cette foi spirituelle que nous vous expliquons chaque fois, que c'est le fondement de tout, ça ne vient que de ce qu'on entend. Mais quand ce qu'on entend est déjà compromis, vous arrêterez par l'état d'une balle, alors que la semence n'hérite pas avec la balle. Vous comprenez? Et la semence, c'est une vie. Comme nous avons vu que c'est un corps-parole, et nous vous avons dit que c'est un corps-parole, et ce corps-parole ne sort pas des églises. Ça n'a jamais sorti d'une église. Impossible! Depuis des temps anciens, le corps-parole n'est jamais venu des temples. Non. Le corps-parole vient du trône de Dieu. Le demeure que le Seigneur Jésus-Christ disait. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Est-ce que vous comprenez? Restez fidèles, réjouissez-vous que je m'en aille. À mon retour, vous l'aurez, la demeure de tout un chacun. Si vous restez fidèles, celui qui garde ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il est passé de la mort à la vie. Que veut dire passer de la mort à la vie? Ça veut dire il est justifié. Tu vois tes erreurs et tes fautes. Là, ont été justifiés, tes péchés ont été justifiés, je ne parle pas de te pardonner, non. Pardonner, ça va demander qu'on puisse chercher encore à être pardonné encore. Mais justifié, non, ça veut dire c'est au-delà d'être pardonné. Quelqu'un qui est justifié, là on entre dans le psaume 32. Heureux ceux à qui la transgression est remise, c'est dans l'éternel, je dis bien, c'est dans l'éternel n'impute pas l'iniquité, dans la bouche duquel il n'y a point de fraude. Lisez ce que David dit là, les poètes, les prophètes, rois. Que le Seigneur vous bénisse très cher. Vous êtes cher, hein? Ok, Luka Muntu. Mais yo moko za cher. Yo kaka konga oye pso na tongo yo. Poko mona bonio za talo. Vous comprenez? Laissez les pleurs près de te répondre. Directement, c'est le temps de l'invisibilité. L'invisibilité, ça veut dire l'invisible, le Christ, le surnaturel, dans le naturel. Vous devez entrer directement. Parce que quand le prophète a fini sa mission, quand Dieu dans la chair humaine était prêt de rentrer à la maison, il nous a pas laissé comme ça. Il a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Voilà où l'invisibilité sauve des vies. Nous devons aller à sa rencontre. C'est là que nous serons justifiés de passer de la mort à la vie. Ceux qui gardent mes commandements, ce sont ceux qui m'aiment. Et ceux qui m'aiment seront aimés de mon Père. Moi et mon Père, nous viendrons à eux, nous ferons notre demeure chez toi. Voilà la maison de Dieu. Vous comprenez? Voilà la maison de Dieu. C'est frère Ézéchiel, c'est la sœur Sharon, sœur sister Sharon, c'est la sœur Bénédicte, c'est la sœur Cynthia. Dieu veut demeurer en toi, frère Eliezer. Vous comprenez, frère Cody? Dieu veut demeurer en toi, frère Moukena, frère Alain. Vous comprenez? La sœur Iguette, Dieu veut que tu sois son temple. Là où tu pars prier, c'est le temple-là que tu partes. Ma bien-aimée, c'est une maison de communion. Et la vraie communion, quand la vraie parole est prêchée en esprit, en vérité, si ce n'est pas question de là, le diable en a déjà pris position il y a longtemps. Parce que le réveil dure que pendant 3 ans.
Un réveil ne dure que pendant 3 ans. Si pendant ces 3 ans, nous avons déjà une chanson avec ça. Si pendant ces 3 ans, les prédicateurs, les pasteurs, les prophètes, comme les dons des prophètes font du succès, l'apôtre, l'évangéliste qui se tient derrière la chair n'arrive pas à amener les gens à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Durant ces 3 ans-là, l'Église tombe. Tombe dans la dénomination. Quand ça tombe dans la dénomination, elle ne va plus se réveiller. Qu'est-ce qui va amener cette Église dans la dénomination? Popularité et l'argent. Bah, papier, il y a un kembo, il y a Satana. Parce qu'il y a des mots à fabriquer. Il y a un kembo, il y a Satana. Voilà. Et que même l'Église, la dénomination, il y a un télémarasouté. Vous comprenez? On commence à compromettre la parole jusqu'à permettre les serfs à porter des pantalons, tous à mettre des cheveux de plusieurs couleurs, dire dans nous voulons le temps de la ne t'en fais pas. Ou la fin, permettre aux serfs de prêcher la parole avec des voix des hommes, comme on suit dans des TikTok et tout ça. Des femmes qui ont perdu leur féminité sacrée. Maintenant, qu'est-ce qui va vous amener à la présence de Dieu? Lisons 1 Timothée chapitre 2. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Nous lisons rapidement dans Psaume 52. Nous n'avons pas parlé longtemps. C'est juste pour vous donner un temps, quand vous êtes au travail, d'écouter ceci. Quand vous êtes ici, quand vous êtes là, quand vous êtes là. Nous lisons dans Psaume 52. Lis. Alléluia. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu. Pourquoi te glorifies-tu? Lisons bien Psaume 52. Que nous sommes en train de lire ici instant avec vous. Pourquoi te glorifies-tu ta méchanceté tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Écoutez très bien. Ta langue n'invente que malice. Comme un rasoir affilé, fourbe que tu y es. 5. Tu aimes le mal plus que le bien. Les mensonges plutôt que la droiture. Pause, qui veut dire cela, ça veut dire c'est s'humilier devant le Seigneur et lui rendre gloire. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. 7. Aussi Dieu t'abattra-t-il pour toujours, il te saisira et t'enlèvera de ta tente, il te déracinera de la terre des vivants. Cela. Pause. Humilier devant l'Éternel. Humilions-nous devant l'Éternel et dit, gloire soit rendue à l'Éternel qui vit à jamais. Amen. 8. Le juste les verront et auront de la crainte. Et ils feront de lui le sujet de leur moquerie. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour... Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour qui? Protecteur. Amen. Mais qui s'est confié à ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un ouvrier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu. Éternellement et à jamais. Voilà. 11. Je te louerai toujours parce que tu as agi et je veux espérer en ton nom parce que tu es favorable en présence de tes fidèles. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse sa sainte parole. Nous lisons ici dans le livre d'Amos chapitre 3. Nous lisons un peu rapidement. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seul parmi toutes les familles de la terre. C'est pour vous, et c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? Le lion rougit-il dans la forêt sans avoir une proie?
Les lionceaux poussent-ils des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il du filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que l'Éternel sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans que l'Éternel... Je répète encore. Là, je fais une erreur. Je lis 6. 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Nous avons lu 7 versets bénis. Ce matin, que le Seigneur nous a donné ce privilège de parler de la vie. Quand l'Éternel, le titre est là, quand l'Éternel parle, qui ne prophétisera pas? L'Éternel a parlé et les gens sont dans la distraction. Les distractions, c'est ce que nous venons de parler ici. Un peu de temps, le monde ne me verra plus. Pourquoi il n'a pas dit, il n'a pas dit que non, les habitants, ou soit les créatures, ou les humains, mais il a dit le monde. Pourquoi le Seigneur parlait du monde? Parce que le monde, c'est un système. Vous comprenez? Et ce système que nous vivons aujourd'hui a commencé depuis Apocalypse chapitre 2, si vous comprenez, dans des âges sombres. Donc ça veut dire après l'âge de l'Éphèse, l'Église. L'Éphèse, c'était l'âge. Cette Église d'Éphèse, c'était l'âge, le cercle des apôtres. Vous comprenez? Ça veut dire le fondement de notre foi. Restez-vous basé sur ce que les prophètes et les apôtres nous ont dit. Et nous avons vu, Malachie 3 nous a dit, et Malachie 4 nous en a promis qu'il va ramener cette foi. Pourquoi? Parce que quand l'Église a tombé dans la sombre, nous allons expliquer ça dans la stature parfaite de l'homme, dans cet arbre de la restauration de l'épouse que le Seigneur est venu restaurer dans ce stade de la fin, vous allez comprendre que dans cet âge sombre, pourquoi il y avait l'obscurité? Si nous allons dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir qu'il y avait des chevaux qui apparaissent, de la couleur roux, de la couleur pâle, et grise, si on peut dire. Vous allez comprendre que non, parmi toutes ces couleurs, nous avons cité, maintenant on va citer couleur blanche. Pourquoi ce cheval qui était à Paris en blanche couleur, alors qu'on peut regarder la couleur blanche, on dit ça c'est la pureté et la sainteté. Mais c'était quoi? C'était de l'hypocrisie. Quoi? Quelqu'un qui prend quoi? Donc cela veut dire il est venu avec l'Église de Dieu. Il est venu comme si quelqu'un qui vient pour servir Dieu, mais il a fait la compromis avec la parole. C'était quand? C'était le consul d'Nicée. Et dans ces consuls-là, ils ont changé la doctrine apostolique pour nous introduire tout ce que nous voyons aujourd'hui, la malinterprétation des Écritures, les hommes. Vous comprenez? L'égarement des créatures de Dieu. Voilà ce système que nous parlons, que ce premier cheval blanc qui était apparu. Vous comprenez? Avec la compromis de la parole. C'est pourquoi le Seigneur, au lieu de dire un peu de temps les humains, il a dit un peu de temps le monde, le système qui a été construit ici dans le consul du Nicée, quand ces gens se sont sortis là-bas pour aller fabriquer, commencer la papauté romaine et créer tout ce que nous avons comme de doctrine sous soleil. Apocalypse chapitre 17. Est-ce que vous comprenez cela? Mais nous devons prendre position à la parole maintenant pour être des membres à part entière dans le corps mystique de Jésus-Christ. Voilà les buts qui nous amenons ici pour que vous puissiez croître de la foi à l'amour fraternel, de l'amour fraternel à l'amour parfait. Christ, il demeure maintenant.
que vous puissiez maintenant entrer en contact dans l'invisibilité, dans votre corps, parole, parce que nous avons contourné cela dans cette naissance de papa et maman. Cette fausse naissance qui est un égarement. Est-ce que vous comprenez? La naissance de l'égarement est venue du malin qui est venu tromper Ève dans Genèse chapitre 3. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui a fait en sorte que nous venons par les sexes. Et seul le Christ ne pouvait pas venir par ces moyens-là du sexe pour sauver, pour nous montrer que non, cette façon de venir-là, c'était une fausseté. C'était la mort, ça introduit la mort, ça introduit la marque de la bête. Et si vous n'avez pas Christ qui est venu dans sa seconde venue, étant le Saint-Esprit, avec le livre de la rédemption ouvert, le livre scellé de sept sceaux, il a ouvert ça, il a révélé les sceaux. Apocalypse chapitre 10. Si vous n'avez pas ça, vous aurez la marque de la bête. Parce que votre nom devait vous retrouver là-bas, parce que le seul livre pour nous rédempter, c'est celle. C'est celui à qui que lui il descendait avec ça dans l'Apocalypse chapitre 10. Et les gens restent là, les yeux en haut, entendre. Nous vous ont dit l'autre fois, souvenez-vous. C'est pourquoi le Seigneur répondait à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Cette naissance d'ici, ce n'est pas naître dans un monde créé par des systèmes qui a commencé dans les consuls de Nicée, abouti par la papauté romaine, a fait naître l'Antichrist. Le cheval blanc qui était à Paris, l'Antichrist, l'hypocrisie, avec une couleur de la pureté, pour prendre la prééminence à l'Église, prendre la place du Seigneur, placer l'Église au-dessus de Dieu, faire en sorte que les gens puissent devenir des esclaves. Des gens qui sont sous l'influence de l'Antichrist. Est-ce que vous comprenez? Combien on peut expliquer ces choses pour que vous puissiez prendre position maintenant, de vous sauver au moment où vos facultés sont encore fortes? Vos organes sensoriels, vos organes, vos sens de l'âme sont encore en place pour prendre position à la parole, non dans le corps, non dans l'âme, mais dans l'esprit, là où la foi est. Parce que c'est de là vient le royaume. Et quand le royaume s'introduit, c'est ce qui fait en sorte qu'il va influencer votre âme jusqu'à votre corps. Et vous allez naître maintenant dans le royaume. Voilà la nouvelle naissance. Pourquoi on parle de la nouvelle naissance? Parce que la première naissance était une fausse naissance du sexe que le malin a commencé. C'est lui qui a commencé à faire le sexe, les premiers. Combien est-ce que vous voulez qu'on puisse vous expliquer ça? La semence du serpent, parce qu'il s'est incarné dans cet animal qui était debout plus que les chimpanzés. C'est la malédiction qui lui a rendu comme ça. Et quand il s'est introduit là-bas, l'acte s'est fait. Je vous ai dit, comme dans les films de Karachika. Quand cette femme qui voulait dominer sa rivale, qui était la première femme de cet homme, là, cet homme riche au Nigeria. Et maintenant, elle allait souvent voir le féticheur. Et l'autre fois, le féticheur lui a dit, mais je t'ai tout donné. Qu'est-ce que tu veux encore? Je veux que... Ceci. Alors, ce que tu demandes cette fois-ci, ça demande que je puisse coucher avec toi. Il dit, mais ok, pas de problème. Elle a commencé à lever les habits. Le féticheur a dit, non, n'enlève pas les habits. N'enlève pas. Reste là où tu es. Moi aussi, je reste là. On va le faire simplement comme ça. C'est comme ça cet acte était passé. Et la femme a commencé à sentir, vous comprenez, donc ça veut dire... Il y a une expression qui me vient, donc cela veut dire quoi? Des sentiments ou soit des plaisirs extrêmes. Vous comprenez? Des orgasmes, donc cela veut dire qu'il amène à un niveau qu'elle n'a jamais senti comme ça. C'est comme ça que cette femme s'est accouplée avec les féticheurs. Sans pour autant, cela veut dire comme ça. Voilà. Parce que le malin est esprit. La bête, le serpent était un animal, vous comprenez? Et il fallait qu'il y ait quelque chose qui devait passer par une créature, parce que Ève était dans la chair.
pour donner naissance à un enfant caïen, un religieux, les églises. Est-ce que vous comprenez? Voilà là où nous sommes. L'aboutissement de ce qui a commencé ici en bas dans les jardins d'Éden. Et son aboutissement aujourd'hui, les églises dénominationnelles. Vous comprenez? Là où on peut parler que des miracles, là où on peut que critiquer, là où on peut que éloigner des gens de la parole, de la lumière du jour. Dire que ceci, cela, dire que ceci, cela. Souvenez-vous, si on avait parlé de ça à notre Seigneur, on a parlé de ça d'Élie, les prophètes, d'Élie, les Tishbites. On a parlé de ça de Moïse, David. On a craché sur lui. Il a dit à cet homme, c'est Dieu qui a permis que ce soit comme ça. Et quelques jours après le fils de David à la croix, il y a un soldat romain qui a craché sur lui. Voilà comment Dieu fait ces choses. Et que quand quelqu'un parle à mal du frère Branham, cela veut dire qu'il vous égare. Quand quelqu'un parle à mal de Paul, il a dit c'est Paul qui a dit que les femmes ne peuvent pas prêcher, prêche. Il parle à mal de Dieu, car Dieu c'est l'apôtre Paul. Si vous comprenez. Et nous avons vu que nous, toutes ces choses-là aboutissent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une autre direction. Le diable, comme il est un imitateur, vous comprenez? Il a imité la pyramide de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de l'invisibilité qui doit changer votre nature. Enlever cette nature de la naissance de papa et maman, du sexe en fait. Vous comprenez? Pour enlever cette nature animale, c'est ça même la marque de la bête. Pour naître de nouveau, recevoir le sceau de Dieu, le sceau d'approbation. Vous comprenez? Les gages, l'héritage, le consolateur, le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Pourquoi nous vous mettons toujours cette pyramide-là à cette étape? À cette quoi, étape. Mais ici, nous avons 13 étages. Vous comprenez? Comme nous avons dit que le diable n'imite que Dieu. Pour séduire Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il a pris la parole. Comprenez ceci. Sortez du milieu d'eux. Le Seigneur a dit ça. Qui sont-ils? Ennemis des gens de bien, fanfarons, aimer l'argent plus que Dieu, ce sont là. Ils élèvent l'église plus que l'auteur de cette église. Ils élèvent l'église plus que comment? Ils transgressent la parole. Et l'église qu'ils élèvent, c'est ce que Caïn avait fait. Construire son hôtel avec des fruits, des paroles mal interprétées. Construire son hôtel en éloignant l'insidie de l'Éternel. Pas chercher la cause de la mort, la cause des maladies, la cause de l'égarement. Il n'a pas voulu chercher ça comme son frère Abel. Et après avoir su qu'il n'était pas exaucé, la jalousie est née. Pourquoi? Que chaque semence se reproduit selon son espèce, selon la loi de la reproduction. Elle devait que produire sa nature, la nature de son père. Vous comprenez? Quoi? L'orgueil. Quoi? La jalousie, la haine. Enfin, la tuerie. Voilà ce qui se passe. Et tout ça s'est abouti ici. Quand le diable a commencé par la science dans le son, dans Genèse chapitre 4, 5, ses fils ont commencé à fabriquer les instruments. Pourquoi? D'abord, on devait commencer par le son. Parce que le son pénètre cette porte ici, entre jusque dans votre âme. Et ça anime l'âme pour aller jusque dans l'esprit. Pour mettre le doute, voilà chaque église aujourd'hui cherche quoi? Les instruments musicaux d'abord. Après les instruments musicaux, est-ce que vous comprenez? Après les instruments musicaux, c'est les images. Et nous avons vu que non, cette pyramide ici a 13 étages. 13, nous vous avons dit que non, c'est le chiffre de quoi? De l'Antichrist, ce premier cheval qui était apparu par. Est-ce que vous comprenez? L'antichrist, l'hypocrisie, la malinterprétation, tordre le sens des Écritures. Et cela a donné naissance ici. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont mis après les 13? Un œil qui voit tout, c'est l'œil du quoi? Quand vous voyez même dans des films et des dessins animés, vous laissez vos enfants regarder ça,
on cache notre haie, on laisse quoi? Cela veut dire on élève le diable. C'est la marque de la bête. Quoi? C'est l'œil des Illuminati. Parce que cette pyramide ici, c'est la pyramide des Illuminati. Dans l'Illuminati, cela veut dire ici. Cette organisation qui avait pris naissance dans 1700 quelque chose, je pense que je devais parler de ça. Et quand on va retourner à parler sur la science marginale, comme on est en train de parler sur l'invisibilité, la science marginale et les sept dimensions, on va parler. Et on va vous donner des précisions, des années, toutes ces choses-là, comme on avait parlé dans une autre publication, d'enseignement par eux. Voilà, donc c'est ça. À 13 étages, vous allez voir que non, tout ça a des significations. Jusqu'ici, il est là. Il ne fait que copier le Seigneur, mais c'est différent. Vous allez voir que tous les loges sous soleil du monde sont ici. C'est pourquoi nous parlons des dimensions. Vous allez comprendre certaines choses quand on parle de ça. Et nous avons vu que non, beaucoup de gens aujourd'hui, dans des politiques du monde, des gouvernements, dans des politiques des églises, sont ensemble. Parce que ce que les prophètes craignaient, c'était quoi? Les conseils œcuméniques. Et les conseils œcuméniques, c'est mettre l'église ensemble avec l'État. Quand l'Église s'unit avec l'État, c'est fini. C'est comme ça que la papauté romaine est née. Quand ils ont pris possession avec l'Empire romain qui contrôlait le monde, la grande puissance comme les États-Unis, dans ces temps-là, ils se sont mis ensemble avec les gouvernements israéliens et quoi, les temples de Dieu en Israël. C'est avec les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes et tous. Ils étaient là en connivence et ils ont sacrifié, ils ont crucifié le Seigneur. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On a crucifié le Seigneur pour la seconde fois. Vous comprenez? Et cela aboutit à donner naissance à ça. Ils sont là très posés, ils contrôlent toutes les organisations mondiales. L'OMS, ONU, PNUD. Tout ça, c'est pourquoi vous voyez les enseignements. Maintenant, on enseigne aux enfants. Il y a un frère là-bas qui a dit au frère Clément. Vous connaissez Moubenechaï. Il y a un frère au Canada qui lui a dit que non, frère, je cherche à rentrer en Afrique. Là, qu'est-ce qui ne va pas ici? On commence à enseigner aux enfants. Vous pouvez être lesbienne, il n'y a pas de mal. Vous pouvez être homosexuel, donc ça veut dire un gay. Coucher avec ton frère, tout ça, c'est là, vous pouvez déjà connaître les sexes dans des bas âges. Pourquoi? Parce que toutes ces organisations qui s'occupent de l'éducation, ceux qui en ont maintenant en main, ce sont les gens qui sont dans des loges sataniques. Ils veulent contredire Dieu à tout point. Comme nous vous avons dit autrefois, ils ont bafoué Genèse chapitre 3, verset 16. Quand la femme a écouté les serpents, vous comprenez? Et il a mené cette suire à son mari. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Le Seigneur a dit directement à la femme que non, l'homme qui était égal à toi parce qu'il était sorti de lui, maintenant il va dominer sur toi. Et ils viennent aujourd'hui, ils nous disent quoi? L'autonomisation de la femme. Vous comprenez? Ça vient d'où? Ça vient ici. L'autonomisation de la femme là que vous attendez, ça vient des gens de loges. Nous sommes 50-50. Mais si vous regardez en réalité avec les lois qui votent, nous ne sommes pas 50-50. La femme domine. Si vous blaguez, vous risquerez votre vie. Vous allez finir en tôle, derrière les barreaux. Est-ce que vous comprenez? C'est la marque de la bête. Contredire Dieu à tout point, c'est ça. Et les églises ont fait, les conseils œcuméniques sont ensemble là-bas. Et pourquoi Frère Branham dit, gardez la voix de Dieu parce qu'il y aura un temps, vous n'irez pas aux églises, vous resterez écouter cette voix. Comme ce fut dans ce temps-là. Quel est le temps? Le temps du prophète Daniel. Est-ce que vous comprenez? Voilà, nous vivons le temps de la sécheresse. C'est pourquoi Élie est venu, Élie le prophète, pour ramener la foi de père vers les fils et les filles, l'épouse, parole. Et toutes ces organisations sont sous leur contrôle ici. Framasonique,
et tous sont des illuminations. Rose-Croix et tous sont ici. Remarquez beaucoup de gens qui sont des qui ont pardon, des grandes assemblées, des grandes églises, de gros tabernacles, de gros amphithéâtres, et tous sont ici. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit le conseil œcuménique, si vous n'êtes pas ici, on va fermer votre église. Et beaucoup de gens, comme ils ne veulent pas que l'église puisse être fermée parce que c'est son gagne-pain, et il s'est soumis. Il a vendu son droit d'aînesse comme un bourreau maintenant. Est-ce que vous comprenez cela? Il a vendu son droit d'aînesse. Mais remarquez, les fils de Dieu sont comme qui? Comme Naboth. Naboth n'a pas voulu vendre son droit d'aînesse. Voilà. Il a gardé cela parce qu'il est le premier-né. Les fils de Dieu sont des premiers-nés parce qu'ils sont nés de la parole, ils naissent dans le royaume. Est-ce que vous voyez? Vous allez m'excuser, j'ai cité le nom là. Je ne pouvais pas citer le nom là. J'ai cité ça par erreur et de bourreau. Voilà. C'est quelqu'un que j'aime bien. Ici, vous allez remarquer que dans ces trois, ces gens ici et tous, leurs objectifs, c'est quoi? C'est ce que nous avons écrit ici. Terroriser et garder le secret de Londres. Ils terrorisent comment? Voyez ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Vous avez ce qui se passe au Niger avec les Boko Haram. Ce qui se passe au Tchad. Ce qui se passe au Centrafrique avec le venement de ces gens-là. Les natures que les Africains n'en ont pas. Vous comprenez, les gens des cartes, couper les femmes et toutes ces histoires-là, ça ne vient pas par l'histoire africaine. Nous n'avons pas ces caractéristiques-là, cette façon de faire les choses. Vous comprenez? Quand on ne s'entend pas avec eux, on provoque des guerres. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les Érythréens et les Éthiopiens. Quand ils se sont entendus avec eux, directement, le calme est revenu. Si vous ne voulez pas les écouter, ils vont vous montrer combien qu'ils sont illuminés. Ils sont à la tête. Conspiration avec succès. Comment est-ce qu'ils ont eu succès? Quand ceux qui ont ainsi dit le Seigneur, ils ont vendu leurs droits d'aînesse. Comme parce qu'aujourd'hui, dans les églises, nous avons beaucoup d'Esaü qui vendent leurs droits d'aînesse à cause d'un plan de lentilles. Vous comprenez? Et Jacob ne peut pas vous les donner. Non, non, non. Restez comme Naboth qui n'a pas voulu vendre son champ. Vous comprenez? De bleu à qui? Au roi Achab qui était déchu par une femme Jézabel. Vous comprenez? Les églises qui ont fait le compromis avec la parole. Une femme qui a changé l'Israël à vivre en dehors de la volonté de Dieu. Une seule femme. Voilà les églises. Voilà une église. Nous ne sommes pas contre les églises, mais nous sommes contre les systèmes. Nous ne sommes pas contre les gouvernements parce qu'on devait être tous censés d'être gouvernés. Mais gouvernement de ce monde aujourd'hui est tous ici. Quoi? Terroriser? Et les Africains, comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à construire leur économie? Parce que l'intelligence que les autres en ont, Indiens, Arabes, Blancs, nous en avons aussi, c'est que les Chinois n'étaient pas comme ça auparavant, à faire des véhicules, tout ça, jusqu'à créer à fabriquer des avions. S'ils sont arrivés là-bas, pourquoi? Ils parlent leur propre langue. Nous parlons des langues européennes. La langue, c'est une domination totale. Cela veut dire, vous abandonnez ce que Dieu vous a donné. Vous avez vendu votre droit d'aînesse. Vous êtes fier de parler en français que de parler en Chiluba. Vous êtes fier de parler en anglais que de parler en Kiyaka. Vous avez honte de dire que je suis Yaka, je suis Ngongo. Vous sentez honte de parler Kiyom, de dire que non, je suis Mundibu, moi. Vous comprenez? Vous avez honte de dire que non, je suis Mumuila. Je suis ceci, je suis ceci. On élève français. Et la domination de cette langue est basée sur ce que la France est. Et la France, c'est la franc-maçon. Et vous voyez, tous nos chefs, ils aillent là-bas compromettre de servir qui? Eux. Et vous vous attendez, quand il y a un changement, quand on vote, on aille là-bas, vous vous attendez à un changement?
Et vous irez à l'église pour prier pour ces gens-là. Qu'ils ont fait le conseil œcuménique et tous avec le pasteur, et là et là-bas. Ils s'inclinent devant la France. Et les guerres vont se terminer comment? Ça devient des guerres symétriques. Deux jours après, on dit non, vous reculez un peu. On utilise des larmes, demain les millions sortent encore pour acheter d'autres armes et ces gens-là sont reculés. Et du jour au lendemain, ces gens-là aussi, ils s'avancent quand ils ont entendu une déclaration. Ta, 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 ta. Et aussi, ils achètent. Ils achètent où? Chez eux. Voilà. Terrorisés. Et les innocents meurent. Vous comprenez? Et cette chose va se limiter comment? Quand on abandonne d'aller chez eux là-bas, servir leur Dieu pour servir vos dieux à vous, c'est à ce moment. Vous allez voir un changement. L'Éternel Dieu aimerait peut-être, je peux dire quelque chose qui m'est venu pour terminer. Servir le Dieu de vos pères, peut-être que non, ça veut dire, ça veut dire être là ensemble avec vos chefs coutumiers et puis invoquer vos ancêtres. Ce sont vos ancêtres. Mais ceux de la formation, ce sont leurs ancêtres. Vous servez le Dieu des Blancs, si on peut aller ça dans ce sens-là. Des dieux. Mais nous ne sommes pas là. Nous invoquons l'Éternel, le seul Dieu. Mais vous venez, vous lisez la Bible. Du jour au lendemain, vous prenez l'avion pour aller ici. Pourquoi? Parce que vous avez un homme qui vous a amené ici. Et cet homme-là, comme il est là, et les gens s'entendent, même à lui critiquer, mais c'est lui qui est le mentor, comme on dit. Vous comprenez? Ils vont toujours prendre des postes. Ils vont régner, ils vont faire leur volonté à cause de quoi vous êtes soumis ici, en commençant par la langue. Si on prêche en français ici, ne prenez pas parce que quelqu'un peut dire ça. Non, parce que ça permet aux gens qui sont au Gabon, Côte d'Ivoire, France, États-Unis, Canada. Mais si ce n'est pas le cas où je me retrouve à Kinshasa, je vais prêcher à Lingala. Vous comprenez? Je vais prêcher à Kinkongo. Voilà. Si je me retrouve en Angola, je vais prêcher en portugais parce que ça va aider beaucoup de gens. Mais si je me retrouve là où les Africains sont là, je vais prêcher que langue maternelle pour honorer moi comme Jésus parlait sa langue maternelle. Si vous comprenez ce qu'on vous dit ce matin ici, ce qui se passe dans ce monde ici, cessez d'élever les hommes, cessez d'adorer, de croire que ces gens-là vont amener un changement. Alors qu'il aille là-bas, en Occident, pour aller faire le pacte ici, des alliances, abandonner ce que vous êtes, votre naturalité, ce que Dieu vous a créé, vous vendez votre droit de naissance et ces gens ici vont dominer sur nous. Alors leur objectif, c'est quoi? C'est terroriser. Vous comprenez? Terroriser. On terrorise avec quoi? Avec la guerre, la famine, des maladies, et quoi? Des épidémies, et toutes ces choses-là viennent d'eux. Et eux, quand ils viennent chez eux là-bas, ils prennent encore des millions, des milliards de vous qui les élèvent, surtout ceux qui prennent des miettes, et quand ils commencent à faire des voyages en Europe. Nazana Belgique, awa, nabakomaki na Belgique. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'ils font ensuite pour aller encore acheter des maisons là-bas? Alors, ils attendent un changement de reconstruire l'Afrique. Et remarquez, et tous, si vous demandez quelqu'un, il y a un président qui était malade, Biya est en Espagne. Notre Eduardo Santos, il est mort où? En Espagne. Donc, ça veut dire, chez nous, sont des poubelles. Alors que les vieux, avec des milliards qu'ils avaient, notre papa là, que j'aimais, bien qu'il a construit l'Angola, mais il n'a pas fini. La maladie lui a appris. Tout ça quoi? Parce que quelque part, ils n'étaient plus d'accord avec eux. Ils ont dit, bon, nous allons mettre fin avec toi. C'est comme ça qu'ils ont mis fin avec Mobutu. Ils ont mis fin avec Kabila, ils ont mis fin avec Kadhafi, alors qu'ils n'ont eu l'air donné des milliards. Vous comprenez? Ils nous prennent comme des outils à faire de l'argent, à mater quand ils veulent.
Et quand le brave Poutine se lève et les autres ne comprennent absolument rien. Voilà ce qui se passe. Prenez position à la parole parce que ces gens ici ne vont pas changer. Si vous voyez quelqu'un est ici déjà, sachez-le, ils vont servir leurs intérêts et il va vous mater et vous terroriser. Vous n'aurez pas un changement, on restera toujours là-bas à pleurer. Alors si vous faites vos petits business, ramenez ça à Dieu. Amenez vos dîmes et vos offrandes dans la maison de Dieu. Dieu vous bénira avec même des arachides que vous vendez. Les tombolas que vous vendez. Les de légumes que vous vendez. Un travail que tu fais en Europe. Travail que tu fais quelque part en Amérique. Des voyages que tu fais du province, de l'intérieur et tout ça. D'un pays à l'autre, c'est pourquoi nous voulons qu'on puisse enlever les visas ici en Afrique pour que ça puisse nous permettre de faire des va-et-vient ici, nos pauvres enfants, pour que nous puissions nous retrouver avec l'aide de la main de l'Éternel. Nous allons continuer le dimanche avec les dimensions et la science marginale, afin de comprendre que nous devons être dans l'invisibilité, le surnaturel. Que Dieu vous bénisse richement. Restez dans la paix du Seigneur. Bonne fête du travail. Rendons gloire à l'Éternel, le premier travailleur qui a créé cieux et la terre, qui a formé l'homme et il a soufflé son souffle de vie et ce souffle est revenu encore ce soir. Il a soufflé de nouveau le baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse. Shalom.